Toute la gloire à notre Seigneur, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui qui est à l'origine de toute la création et qui a créé l'homme à son image. C'est en ce grand nom, frères et sœurs dans le Seigneur, téléspectateurs, téléspectatrices, que nous vous saluons affectueusement. Nous croyons que vous êtes encore très nombreux en train de nous regarder. Vous avez fait le meilleur choix en vous branchant à la RTJVR, votre chaîne préférée. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec vous. Nous sommes encore là pour parler un peu de Dieu, prêcher un peu sa parole et après quoi prier pour vous. Et nous croyons que la voix que nous portons vous fera du bien. Restez câblés
Soyez des nôtres du début jusqu'à la fin. Et vous n'allez pas regretter. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, Créateur des cieux de la terre, nous voulons te bénir, te glorifier, t'exalter et te rendre toute la gloire. Ton amour est grand, ton amour est sublime. Ton amour est élevé. Merci encore pour ce jour. Merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Merci pour la nourriture. Merci pour le vêtement. Merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci pour tout. La bénédiction de tout. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes entre tes mains. Car c'est toi qui nous as amenés. Pour que tu te sers de nous. Pour parler à tous ceux qui nous regardent. Alors Seigneur, nous nous laissons entièrement entre tes mains. Envoie l'onction de ton esprit. Pour nous emballer. Pour nous tenir. Pour que nous soyons capables d'être à la hauteur de cette tâche. Au nom de Jésus. Viens commencer. Viens continuer. Et viens terminer. Au nom de Jésus. Nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Job 19. Nous allons lire les versets 25 jusqu'au verset 27. Job 19, 25 à 27. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier jour sur la terre, quand ma peau sera détruite. Il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Amen. Kenye amenyebe nye khona metole akbe aye mleke la adode anyigba me aye ne nyenchila vuvu yaba yaba aye nyenchila megaliola makpo mau makpo na dokunye nye unto nye nkuo akwe aye menye amevubu o ele nye ayikuo dro le dome. Amen. 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 Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est de cela que nous voulons vous parler. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Satan a privé Job de ses biens. Satan a privé Job de ses biens. Il a privé également de tous ses 10 enfants. Et finalement, il est en train de priver Job de sa santé. Et la vie de Job est plongée dans un désespoir total. Job est devenu comme un singleton sur la terre. Lui qui était père des enfants. Il s'est retrouvé seul. Lui qui avait de l'argent. Il s'est retrouvé dépossédé de tout. C'est bien, tout était parti comme ça. Et il est redevenu solitaire. Il est resté seul. Alors, au moment où Job s'est plongé, où se retrouvait dans cette situation, ses proches et ses concitoyens ont vu dans ses malheurs
la punition divine d'un grave péché. Oyo globe mau peto réveiller va di kurebe nous von ibadade wota. Que sûrement que Job aurait commis un mal que Dieu est en train de punir. Oh globe nyatebe mais Job wonu von de mau le to remne taye. Il a commis un grave péché. Et wonu von badade. Comment quelqu'un pouvait perdre ses enfants, perdre ses biens, tomber gravement malade, et tout son cœur est couvert de plaies? Comment quelqu'un peut être comme ça? Comment quelqu'un peut se retrouver dans cette situation? Pour les frères, les amis et les concitoyens de Job, cela est impossible. Parce qu'il le connaissait d'avance. Il savait que Job avait tout. Mais maintenant, voilà, il est malade. Et il a tout perdu. Praise le Alléluia. Alors Job a commis un péché. Ah, mais et copain, ben Job, on nous voit. C'est un grave péché. Ah, nous voit badade, on nous voit gande. Voilà ce qui arrive souvent à l'homme lorsqu'il voit son prochain en train de souffrir. Sousou ya ou tout na magbeto peta mais na ekpo epe ravi le fukpema. Très souvent, c'est cette mentalité qui arrive ou bien qui nous vient souvent. Et Dieu, sousou ya tout na tokbon na mi vaina. Quand nous voyons quelqu'un souffrir, lorsque nous voyons quelqu'un devant une situation, ou quelqu'un qui est en train de traverser une difficulté, un problème sans pareil, il se retrouve dans un cas impossible, dans une situation qui le plonge dans un chaos. L'idée qui nous vient, c'est que c'est parce qu'il a fait quelque chose. C'est parce qu'il a commis un péché. C'est parce qu'il s'est mal comporté. Voilà pourquoi il souffre. Et c'est un vol loin même. À dire cela aux victimes. Que c'est parce que tu as fait quelque chose, que tu es en train de souffrir. Et ils sont capables même de fabriquer des choses et te coller que cela va te convenir correctement. Et quiconque l'attendra croira. Oh, c'est de la fabrication. Oh, c'est de l'imagination. Que Dieu le fasse grâce. Les amis de Job ont accusé Job. Ses constituants l'ont accusé. Peut-être que toi qui es en train de nous voir, hier tu étais bien. Tout marchait bien. Les choses allaient de mieux en mieux. Mais te voilà devant ce dilemme. Les choses sont dégradées. Ta situation, tu ne la comprends plus. Toi-même, tu ne te retrouves plus. Tu es en train de te chercher. Mais tu ne sais comment faire. Et tes amis t'ont donné des sobriquets. Tes connaissances t'ont donné des sobriquets. Les membres de ta famille se moquent de toi. Les membres de ton service te moquent de toi. Ils disent que c'est parce que tu as commis un péché. Ils t'accusent que tu es dans une malédiction. Que tu vis dans une malédiction. Et il y en a même qui te disent que ça ne finira jamais. Ils sont des prophètes de malheur. Qui t'annonce que c'est fini pour toi. Et tu es en train de pleurer. Les larmes coulent sur tes yeux. Dieu nous envoie te dire. Ça peut changer. Non, non, mais atem trop. Cela peut changer. Non, non, mais atem trop. Cela peut changer. Non, non, mais atem trop. Prison. Alléluia.
Et la Bible dit, y a Bible à Globe, même la femme de Job, a tenté de le pousser à précipiter l'inévitable fait en maudissant Dieu. Elle va Mais je ne te comprends plus, mon mari. Comment tu peux souffrir ainsi? Comment tu peux souffrir de la sorte? Ta situation là. Non, non, mais je ne l'ai jamais vu. Moi, je vais partir. Je vais quitter. Je vais déserter le foyer. Maudit Dieu et meurs. Parce que ta situation là. Je ne la comprends pas. Tu ne vis même pas. Tu n'es même pas mort. Tu n'es même pas en vie. Et toi-même, tu crois que tu es mon mari? Tu crois que tu es toujours mon mari? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me suis rappelé de ce dicton. Mais donc, que quand il a de l'argent sur la table, la femme sourit. Mais quand il n'a pas l'argent, la femme renforce la mine. Il y a un autre dicton qui dit, quand il a de la nourriture, la femme est à l'aise. Mais quand la nourriture fait défaut, la femme se fâche. Vous voyez? Et un troisième dicton qui dit, quand la femme dépend de l'argent, elle est contente. Elle ne cherche pas à savoir d'où l'argent vient. Ce qui est important, c'est que son mari travaille et elle autre mange bien. Elle va dépenser de l'argent comme elle veut. Mais elle ne va jamais chercher à savoir d'où l'argent sort. Pour elle, que ça vient. C'est tout. Voilà le comportement de la femme. Mais je crois que les femmes chrétiennes ne sont pas comme ça. Si tu es femme chrétienne en train de nous regarder, toi tu n'es pas comme ça. La femme de Job a poussé son mari, a maudit Dieu, afin qu'il meure vite. Sinon, elle est en train... Il est en train peut-être de lui perdre du temps. Elle veut quitter le foyer. La situation devient difficile. La maladie est présente. La mort est rentrée dans la maison. Rien ne marche. Elle menace de partir. Elle pousse son mari à maudire Dieu. Voilà des remèdes des situations des fois qui se présentent devant lui. Et parfois même des gens, nos amis, nous obligent même à quitter Dieu et à chercher la solution ailleurs. Ils te diront, mais est-ce que tu crois que tu peux trouver encore la solution à l'église? Est-ce que tu crois que la prière seule peut faire cela? Est-ce que toi tu crois que la situation que tu traverses là, est-ce que tu peux t'en sortir? Oui, des amis vont te dire ça. Des connaissances vont te dire ça. Des collègues vont te dire ça. Les membres de ta famille vont te dire ça. Tes frères et soeurs vont te dire ça. Même tes parents vont te dire ça. Que la prière seule ne peut pas. L'église ne peut pas. Dieu ne peut pas. Quand il faut sortir pour chercher une solution ailleurs. Voilà des fois des choses qui se passent. Et il y en a qui sont tentés. Oui, ils sont tentés par toi. À écouter ce qui leur parle. Mais tu dois être sérieux. Alléluia. Oui, tu dois être sérieux. Le patriarche avait l'assurance. Oui. Le patriarche Job, il avait l'assurance. L'assurance en Dieu.
que Dieu est capable de le libérer. Le libérer de la mort. Le libérer du joug de Satan. Le libérer de la condamnation du péché. Et il qualifiait Dieu qui est son rédempteur. Il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Oh, alléluia. Amen. Devant ce dilemme, devant cette situation, dans ce problème, Job pouvait s'écrier, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Et qui se lèvera le dernier sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur. La dernière minute appartient à Dieu. Oui, la dernière minute appartient à Dieu. Le dernier jour est pour Dieu. Le dernier moment est pour Dieu. Quel que soit ce que nous allons traverser. Quel que soit ce que nous allons vivre. Quel que soit ce qui adviendra. Dieu que pourra. Il y a un dernier jour. Il y a une dernière heure. Il y a une dernière minute. Qui est pour ton Dieu? Qui est pour notre Dieu? Pour nous libérer. Pour nous sauver. Pour nous délivrer. Pour nous apporter le salut. Oh, alléluia. Amen. Il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Mon frère, ma soeur. Ton rédempteur est vivant. Ton Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il est là. Il est là. Il est vivant. Il se lèvera. Le dernier jour. La dernière heure. La dernière minute. Pour parler. Pour parler. Pour parler. Pour parler. Si Dieu n'a pas encore parlé, ce n'est pas encore fini pour vous. Le médecin peut parler. Le pasteur peut parler. Le prophète peut parler. Mais si Dieu n'a pas encore parlé, ce n'est pas fini. Ça veut dire que tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, c'est que tu t'es encore possible. Ton relèvement est possible. Ta résurrection est possible. Oui. Ton épanouissement est encore possible. Ton développement est possible. La promotion encore possible. C'est possible. Parce que Dieu n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore parlé. Il parlera bientôt. Et tous ceux qui se moquent de toi vont se taire. Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Il faut croire. Dans cette situation, Job a adopté quelques attitudes que nous voulons mentionner. Et après quoi nous allons prier. Job avait la foi en Dieu. Dans sa première attitude, malgré tout, les amis le découragent. Les constituants le découragent. Sa femme le décourage. Mais Job avait foi en Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu. Il sait que Dieu peut le faire. Il sait que Dieu peut le sauver. Il sait que tout ce qu'il a perdu, Dieu peut encore lui redonner. Prisez-le. Alléluia. Ce que tu dois faire. Dans chaque situation. Dans la situation où tu te trouves maintenant. Ce que tu es en train de vivre. En train de nous voir. Il faut exercer la foi. La foi de Job. Il faut exercer la foi. Il faut exercer la foi. Ça peut changer. La situation peut redevenir normale. Dieu peut refaire toute une nouvelle dans ta vie. La deuxième chose que Job avait, il avait l'assurance et l'espérance en son créateur. Oui. L'assurance et l'espérance. Job savait que lui-même ne va pas moisir. Dieu fera encore une nouvelle chose. Président, alléluia.
Il est sûr que son rédacteur est vivant. Oui, puis nous en train de croire que Dieu peut changer la situation. Puis nous en train de croire que ce Dieu est vivant. Job sait que son Dieu est vivant. Cela est dans sa mentalité. Cette croyance est dans son cœur. Ça remplit son âme. Ça remplit son esprit. Il sait que son Dieu est vivant. Mon frère, ma soeur, le Dieu créateur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est mort, il est ressuscité. Il est vivant. Jésus est vivant. Il peut te sauver. Il faut croire. Il faut mettre ton assurance en lui. Que ton espérance soit en lui. Tu sortiras vainqueur. Dans le nom de Jésus. Il sait que son rédempteur est vivant. Il sait aussi que son rédempteur le guérira. Et après la guérison, il peut le restaurer. Job avait ça en lui. C'est une attitude que chaque chrétien doit avoir dans chaque situation donnée. Il sait que son rédempteur est vivant. Mais il sait aussi qu'il peut le guérir. Et le restaurer. Tout ce que le diable a détruit dans sa vie, Job sait que Dieu peut restaurer sa vie. Dieu peut lui redonner encore ses choses. Il faut que tu crois aussi. Tant que ton Dieu est vivant, tant que tu es toujours avec ce Dieu, ta vie sera restaurée. Des choses que tu as perdues vont revenir encore. Le Seigneur le fera. Il le fera. Il faut croire. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. J'aime la foi de Job. Malgré les intimidations des amis. Malgré l'intimidation de sa femme. Les menaces de ses concitoyens. Le cœur de Job ne bougea pas. Il est resté comme il était. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Si tu es malade, avant de nous regarder, que Dieu te guérisse. Alléluia. Que Dieu te guérisse. Et que ta vie soit restaurée. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé. Mais il va le restituer. Dans le nom de Jésus. Job est sûr que son rédempteur ne change pas. Tu dois aussi avoir cette confiance que le Dieu que tu adores ne change pas. L'homme peut changer, c'est vrai, hein? L'homme change. Tu connais quelqu'un le matin, à midi il a changé. Le soir, il devient autre chose. L'homme peut changer. Mais Dieu, le Créateur, le Dieu Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus, celui qui est à l'origine de tout, celui qui est appelé le rejeton de David, celui qui est appelé Jéhovah Zebon, celui qui est appelé le lion de la tribu de Juda, celui qui est appelé Jéhovah Elohim, celui qui est appelé Jéhovah Rapha, celui qui est appelé Jéhovah Jireh, ne change pas. Il ne change pas. Les hommes changent, les amis changent, les connaissances changent, la femme change, le mari change, mais Dieu ne change pas. Il ne change pas. Seigneur, merci. Parce que tu ne changes pas. Mais Job a dit,
L'attitude est encore une autre attitude qu'il avait. Il dit, je verrai Dieu. Et quand je le verrai, il me sera favorable. Ah, praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, je le verrai. Ce n'est pas un autre qui va le voir pour moi. Mais je vais le voir moi-même. Et lorsque je vais le voir, il me sera favorable. Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu te soit favorable. Que Dieu te soit favorable. Partout où tu te trouves en train de prier, dans chaque situation où tu te trouves, que Dieu te soit favorable pour que la situation change. Qu'elle change pour le bien. Car rien n'est impossible. Que la grâce de l'Éternel soit suffisante pour vous. Croyez en Dieu. Mettez votre confiance en lui. Marchez devant lui. Marchez main dans la main avec lui. Même si aujourd'hui, vous avez des sobriquets. Même si aujourd'hui, ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir sur vous, ils sont capables de vous manipuler. Ils croient qu'ils sont le détenteur de votre destin. Ils croient que votre avenir est dans leurs mains. Votre origine est dans leur main. Et ils sont capables de tout faire contre vous. Ils vous malmènent. Ils vous maltraitent. Ils vous oppressent. Ils font tout contre vous. Parce qu'aujourd'hui, ils se croient le tout puissant. Ils se croient le détenteur de tout. Mais Laban avait cette croyance. Là-bas aussi, il avait cette croyance. Croyant qu'il avait la suprématie sur Jacob. Mais c'est devant lui Dieu a béni cet enfant. C'est devant lui Dieu a béni cet homme. Il a poursuivi. Mais Dieu s'est révélé à lui dans le rêve. Il est arrivé à son niveau. Mais il ne lui a fait aucun mal. Parce que la protection de Jacob était dans la main de Dieu. Votre protection est dans la main de Dieu. Votre réussite, c'est dans la main de Dieu. Votre promotion, c'est dans la main de Dieu. Votre avancement, c'est dans la main de Dieu. Notre ministère, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, c'est dans la main de Dieu. Ce n'est pas dans la main d'un homme. Ce n'est pas dans la main d'un homme. C'est dans la main de Dieu. Nous croyons en cela. C'est pourquoi nous le déclarons. Nous le proclamons avec force, avec puissance, avec autorité, avec abnégation, avec zèle. Notre ministère est dans la main de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier.
que mon rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Ne pleure pas. La solution est déjà. La solution, c'est ton Dieu. C'est ton libérateur. Il vient à la dernière nuit. À la dernière heure. Au dernier jour. Pour ta cause. Pour te libérer. Seigneur, nous voulons prier parce que la prière est notre force. C'est avec la prière, Seigneur, que nous pouvons arriver. C'est par la prière que nous pouvons recevoir de Dieu. C'est par la prière que les choses vont changer. Ce que nous ne pouvons pas faire, notre prière va le faire. Nous voulons te confier tes enfants qui sont dans des problèmes difficiles, qui sont dans des situations compliquées. Ils cherchent refuge. Ils cherchent refuge. Mais ils ne trouvent pas. Ils sont déboussolés. Ils sont mélangés. Seigneur, Seigneur, nous t'appelons. Car rien n'est impossible à nous. Ce qui est possible à nous est possible à nous. Toi, tu fais tout. Seigneur, tu fais tout. Il n'y a rien que tu puisses le faire. Tu fais tout, Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons. Viens au secours de tes enfants. Tes enfants qui crient à toi. Jour et nuit, Seigneur. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de t'appeler. Ils sont en train d'élever la voix. Ils disent, Seigneur, viens. Ils disent, Seigneur, viens. Ils disent, Seigneur, viens. Ils disent, Seigneur, viens. Ils disent, Seigneur, Envoie ta puissance, ta puissance qui libère, ta puissance qui délivre, ta puissance qui change les choses, ta puissance qui apporte la solution. Envoie la puissance, envoie ta 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 puissance, pour libérer tes enfants, pour libérer tes enfants, pour libérer tes enfants, pour faire sortir tes enfants. Restons nos vies. Manifeste-toi.
Seigneur. Nous ne comptons pas sur les noms. Nous ne comptons pas sur notre force. Nous n'avons aucune force. Nous ne comptons pas sur des hommes. Nous n'avons personne. Mais sur toi nous comptons. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Libérateur. Tu es notre Rédempteur. Tu es tout pour nous. C'est pourquoi nous venons à toi. C'est pourquoi nous crions. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. C'est pourquoi nous crions à toi. Nous voulons pas crier ensemble. Tu es peur d'être ridiculisé. Nous voulons pas crier ensemble. Tu es peur d'être humilié. Tu es peur d'être agonisé. C'est pourquoi nous venons à toi. Parce que toi, tu es compatissant. Tu es amoureux. Tu ne rejettes personne. Tu acceptes tout le monde. C'est pourquoi nous venons à toi. Seigneur éternel, touche tes enfants. Ceux qui sont en train de pleurer et qui vivent des situations. Ils sont déboussolés. Ils sont mélangés. D'autres même rejetés. Rejetés par la société. Rejetés par leurs services. Oubliés par leurs familles. Ils sont oubliés comme un mort. Oh Seigneur, interviens. Manifeste-toi. Seigneur, agis. Seigneur, fais quelque chose. Oui, nous espérons à toi. Notre espoir est en toi. Notre foi est en toi. Notre assurance est en toi. Comme chant. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta force. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons, Seigneur, sur ton nom. Oui, à tout dans la foi. Que à l'invocation de ton nom, quelque chose peut changer. Dans le nom de Jésus, rien n'est impossible à toi. Nous venons à toi avec un cœur. C'est toi seul qui peux le faire. Les maisons où il y a les pleurs. La famille où il y a les pleurs. Que les larmes soient séchées. Que les larmes séchent. Que les pleurs séchent. Parce que toi, Dieu, tu vas rentrer dans ces maisons. Tu vas rentrer dans ces familles. Tu vas rentrer dans ces groupes. Au nom de Jésus, l'amour est chassé. La déception est finie. La force est revenue. La joie est revenue. La joie est là. Seigneur, rentre dans cette famille. Dans le nom de Jésus, ce n'est pas encore fini pour toi. Mon frère, ma soeur, je t'aime. Jésus t'aime. Il est avec toi. Ne crains pas. Ne désespère pas. Mais n'a pas qu'à filer. Ne quitte pas le Seigneur. Ne quitte pas le Seigneur. Les foires renaît maintenant. Reçois la force. Reçois la solution. Tous tes problèmes. Reçois la solution. Reçois la force qui te tient de Dieu. Reçois la solution qui te tient de Dieu. Reçois-la maintenant. Et sois libéré. Au nom de Jésus. Que la joie te remplisse. Que la joie te remplisse. Et que tu recontinues à marcher. Tu rends un témoignage.
comme Job. Tu rendras témoignage comme Job. Dieu va multiplier tes biens. Tout sera multiplié pour toi. Tu vas les recevoir. Deux fois. C'est le double du reçu. Le double de tout ce que l'ennemi a volé. Tu vas les recevoir. Doublement au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom.